Le ministère de l'Aménagement du territoire est doté de 9 véhicules Pimpin 9 pour faciliter la mobilité des agents et cadres, une dotation qui porte la signature du ministre Guy Luando pour non seulement faciliter la mobilité de ses administrés, mais aussi booster la modernisation de son portefeuille afin de doter le gouvernement congolais les moyens de sa politique. En ma qualité de ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, je vous remets donc les clés de ce véhicule qui est une dotation gouvernementale et je vous demande d'en faire un bon usage, de respecter l'affectation pour laquelle ces véhicules ont été mis à votre disposition et je peux compter sur vous et que le président de la République ainsi que le premier ministre de notre gouvernement peuvent compter sur vous pour un usage en bon père de famille. C'est encore une des actions de grande envergure que vient déposer le ministre de l'Aménagement du territoire afin de booster davantage son secteur pour doter les pays les moyens de sa politique. Conformément à la vision du président de la République et en harmonie avec l'axe 6 du pilier 2 de la feuille de route de son portefeuille, Guy Luando a au cours de cette cérémonie doté les agents de son administration des matériels roulants afin de renforcer leurs capacités opérationnelles sur terrain. Une première action entreprise par ces warriors en quatre d'existence de ces ministères. Avec la ferme volonté et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans le strict respect du leadership de notre Premier ministre, je citais Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qui, chaque jour, ils sont plus que déterminés dans la matérialisation du programme du gouvernement et qui tient à ce que notre administration publique dans son ensemble soit modernisée et l'administration de l'aménagement du territoire en particulier puisse bénéficier aujourd'hui. Je vous remets donc les clés officiellement. Merci. Ces gestes de grande portée démontrent à suffisance le ferme engagement du sénateur Guy Luando à améliorer les conditions socio-professionnelles de ses agents et cadres afin de les permettre d'être dynamiques et compétitifs, a martelé le secrétaire général ad intérim du ministère de l'Aménagement du territoire. Au nom de tout le personnel de l'Aménagement du territoire, je continue à vous dire grand merci. Grand merci, grand merci. Et tous les cadres des jeunes du milieu du territoire seront de vous à vous pour atteindre l'objectif assigné ensemble lors d'un des collègues. Pour les représentants du Premier ministre, à cette cérémonie, cette action honore le gouvernement dirigé par Jean-Michel Samaloukonde qui est résolument engagé à améliorer le social des Congolais dans tous les domaines.